Ok, j'ai rendez-vous dans exactement 12 minutes chez Lamborghini pour un essai, essayer une Hurricane. Non, je ne vais pas acheter aujourd'hui une Lamborghini, mais bientôt j'achèterai une Lamborghini, c'est sûr. Et donc là, je vais démystifier le code. Je vais démystifier ce code. Je ne dois pas être impressionné par les supercars. C'est pas mon délire, les supercars. Je roule en Tesla, c'est pas une supercar. Mais par contre, je pense que ça a toujours été un de mes rêves d'au moins en avoir une un jour dans ma vie. Et ce jour se rapproche de plus en plus. Donc là, je vais crack the code et démystifier le fait d'avoir une supercar. Donc je vais chez Lamborghini pour faire un essai, vivre cette expérience. Et comme je vous le dis, craquer le code, ne pas être impressionné par ce genre de choses, les rendre accessibles pour son cerveau, ben ça va me permettre d'accéder à ça très rapidement. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour ma Tesla. Je me suis imaginé dedans et un an plus tard, je l'avais. Et un an plus tôt, j'aurais jamais cru que je roulerais en Tesla, même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve assez banal. Il y a des mecs qui roulent dans des grosses Mercedes, elles ont quasiment le même prix, des fois même plus cher, souvent même plus cher. Donc voilà, donc là je veux démystifier le code supercar. Donc je vais chez Lamborghini. Elle est bronzée, rebelle. Cookie. Je les aime bourgeois et rebelles. Yeah. Elle est dans mon cœur, même pire comme Cookie la hyène. Trop de rancœur, je retire mon empire ailleurs. Jamais à l'heure, sauf rendez-vous pour l'oseille. Jeune et jolie, je l'aime bourgeois et rebelle. Elle est dans mon cœur, même pire comme Cookie la hyène. Trop de rancœur, je retire. Matin en été nous ont présenté Cookie. Les semaines se sont écoulées. Bon ben là, j'attends pour mon essai Lamborghini. Hâte de tester cette supercar. Et apparemment c'est un bon investissement. Donc c'est top. Let's go. Elle est dans mon cœur, même pire comme Cookie la hyène. Trop dur encore, je retire mon empire ailleurs. Jamais à l'heure, sauf rendez-vous pour l'oseille. Jeune et jolie, je l'aime bourgeois et rebelle. Elle est dans mon cœur, même pire comme Cookie la hyène. Trop dur encore, je retiens mon empire. Bon, faut que je fasse un débriefing. Lamborghini. Le prix. €300 000, c'est entre 6 000 euros plus ou moins de leasing, en sachant que tu peux la faire louer. €1 000 par jour. Donc tu fais le calcul quoi. Elle est incroyable en termes de conduite. Voilà quoi. Pendant une heure, j'étais dans le mindset de ceux qui aiment les grosses bagnoles avec les gros moteurs qui font du bruit. J'ai compris leur mindset. Super moteur. Alors, à la question, est-ce que tu vas l'acheter ou pas, quand ça sert d'aller faire des essais de Lamborghini, si tu l'achètes pas, je vais l'acheter les amis. C'est ça la réalité. Oui.
et je veux changer ce passif en actif. Think about it. Comment est-ce que je peux générer 6000 euros avec une Lamborghini? C'est ça la question. Je n'ai joli.